Je vous fais goûter. Le mieux, c'est de goûter. 25 apiculteurs sur les 115 que compte la profession n'avaient pas manqué le rendez-vous. Et comme l'année dernière, c'est la baisse de la production, moins 60%, qui occupe les esprits. Il faut savoir qu'en appellation, une année moyenne, c'est 290 tonnes de miel produit. On a eu même des années à une année à 350 tonnes. Et aujourd'hui, cette année, on est à peu près à 130 tonnes. Face à des conditions climatiques de plus en plus intenables, la profession doit pourtant s'adapter en proposant de nouveaux produits. C'est un miel donc qui est particulier. Il y a une pointe de châtaignier, il est élégant et en même temps il est hors norme parce qu'aujourd'hui il va falloir que l'AOC peut-être revoie sa gamme. Avec de plus les difficultés financières, certains apiculteurs et agriculteurs se sont regroupés autour d'un système de paysannerie sociale d'entraide. Pour une installation, il faut de l'argent, il y a un système très inégalitaire au niveau de l'ODARC où il faut d'abord avancer sa trésorerie pour être aidé ensuite de 60% ou moins ou plus. Et l'idée, c'est de mutualiser à la fois des forces humaines, de l'intelligence collective et des moyens pour faire qu'à plusieurs, on est beaucoup plus fort que seul. Mais le succès de cette 20e édition vient heureusement donner à cette journée une véritable dimension de fête. Je suis émerveillée, c'est formidable. Je suis norvégienne, je suis ici en Corse, c'est une merveille. Avec quelques 3000 visiteurs, les organisateurs ont de quoi être fiers. On a 98 stands, tout le monde est ravi. On a les Mouvrignes au complet, le staff de la CA. Tout est parfait. C'est vraiment une réussite en 20 ans. On ne pensait jamais que notre petit village inconnu dans les Deux-Sources serait maintenant la capitale du miel en Corse. De quoi redonner du baume au cœur, au moins le temps d'une journée à toute une profession. Alors, la présidente...